Bonsoir mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Je vous avais expliqué hier pour les lunettes, c'est des lunettes sans correction, anti-UV, anti-lumière bleue. Je vous invite à acquérir une paire vous aussi. Ça coûte une quarantaine d'euros avec ou sans correction. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Là, je fais un live plus tôt pour espérer finir très très tôt, pour pouvoir prendre du repos. Alors c'est pour ça que j'ai préparé un sujet très très court, donc sur Jean Lassalle. Jean Lassalle qui, vous le savez, fait de la politique depuis très très longtemps. Nous allons le voir dans un instant, et qui s'est présenté au présidentiel, qui a parlé de se présenter aux prochaines présidentielles, qui a créé un mouvement. On va le détailler. Alors Jean Lassalle, pareil, hein, comme tous les autres, il n'évoque pas les sujets fondamentaux, et pourtant, c'est un vieux briscard de la politique. C'est impossible qu'il connaisse ces sujets-là. Comme d'autres que vous affectionnez, comme Asselineau, comme plein d'autres. Eh bien, la preuve en image, je vais vous la donner tout de suite. Donc là, je ne sais pas si, je pense que c'est une femme. Je vais vous montrer après son profil. Peut-être je le ferai pas, parce que peut-être elle veut pas se dévoiler. Mais en tout cas, elle a mentionné ses deux enfants. Je pense que elle fait ceci comme votre serviteur pour ses enfants, qui doivent être soit placés, soit en vue de placement par l'ASE. Donc je vais attendre qu'elle m'autorise à diffuser son nom. Je vais juste montrer la vidéo qu'elle a fait. Elle a fait il y a. Ça fait un moment, hein, je n'ai pas eu le temps de traiter ce sujet. Donc elle a été à une réunion, elle a filmé, et voici ce qu'il en ressort. Alors on ne va pas regarder en totalité, on va regarder juste la séquence que je veux vous montrer. Donc c'est un homme à un certain moment qui arrive à prendre la parole et qui détaille, mais de façon implacable, la corruption en ce qui concerne les placements d'enfants, l'argent qui circule, l'argent en jeu. Il détaille vraiment de façon méthodique comment ça marche, ce scandale qui est tabou dans les médias. Et moi, je vais bien entendu plus loin que cet homme courageux. Ça va beaucoup plus loin que l'argent. Bien entendu, l'argent sert à corrompre, à faire taire les intervenants et à donner des idées à d'autres pour faire du chiffre, faire du placement, hein. Mais vous savez très bien, vous qui me connaissez, là où je veux en venir, ça va beaucoup plus loin que juste l'aspect financier. Il s'agit bien entendu de détruire notre civilisation, détruire notre société, infiltrer notre société et notre civilisation par les placements. Vous prenez des enfants à des parents, vous les mettez dans des familles d'accueil ou dans des structures étatiques. Vous les traumatisez, hein. Je parle dans la majorité, l'immense majorité des cas. Il y a toujours quelques exceptions qui confirment la règle, mais la majorité écrasante des cas, les enfants placés ne le vivent pas bien. Les enfants placés finissent traumatisés, finissent en adultes qui chercheront toute leur vie des réponses auprès de la psychiatrie. Sans parler
de phénomènes graves, et là on parle de criminalité, sans parler de pédophilie, de pédocriminalité, que ce soit par la famille d'accueil ou par, ça a été prouvé à plusieurs reprises, par des intervenants en lien direct ou indirect avec l'ASE et les structures d'accueil, ceci n'est plus un secret. Alors, on va regarder ensemble. Donc, vous allez comprendre, c'est une réunion apparemment publique. Je vais démarrer. Je vais aller là-bas, mon professeur. Elle a fait l'énorme travail. Elle a écouté. Pardon. Elle a rencontré d'authentiques résistants. D'authentiques résistants. Quelqu'un disait, avec ses compagnies, qui est parti, qui a dit, si les gens me font passer le produit de 14, il y a un peu de ça. Et elle a rencontré des résistants, mais qui ne sont pas entendus par personne, qui sont poursuivis, qui ont fait le pire séquence. Allez. Oui, mais moi je pense que c'est toi, Jean, qui a quand même lancé le sujet, parce que tu as posé une question au gouvernement le 17 juillet 2018, et ça fait déjà un certain temps. Et moi je trouve que cette, la question que tu as écrite, que tu as soumise, elle est parfaite. Elle résume exactement tout le problème, enfin, l'essentiel du problème. Et bon, moi, je pense que la meilleure présentation. Donc, les amis, je vais vous passer tout le début. C'était pour que pour poser le décor. Donc, vous avez entendu Jean Lassalle, vous le voyez avec sa cravate rouge, bien entendu, se prendre pour grand défenseur des Gilets jaunes. Et à un certain moment, une personne dans le public va arriver miraculeusement à prendre la parole, et après vous verrez le malaise, la gêne de Jean Lassalle et sa réponse qui n'est pas une réponse à côté de la plaque de ce qui a été dénoncé par l'homme qui va prendre le micro. Allez, j'avance. Je suis heureux que tu aies cette satisfaction parce que nous sommes le seul parti en France à avoir pris une situation à la maison. Alors, bien sûr, on va apporter des solutions du jour au lendemain. Je suis content que beaucoup de juristes nous rejoignent. J'espère que nous aurons là une demi-douzaine à 2007 que quelques-uns prennent la parole autour de toi. On n'a pas eu le temps d'en parler ce matin. Mais tout ça, c'est une sensibilisation. Alors, il y a un monsieur qui me demande désespérément la parole, Rick Fried. Alors, je voulais d'abord vous dire, nous n'avons pas le temps de tout reprendre, c'est pour ça qu'on ne va pas reprendre, nous en avons parlé déjà ce matin. Ce qu'on fait, c'est vous dire qu'on pourrait faire par le juriste d'ailleurs. J'ai une proposition rapide à vous faire pour régler le problème. La première. Est-ce qu'on peut bien continuer ? Je suis étonné, moi, j'ai 6 propositions à vous faire et vous réglez le problème. C'est-à-dire que le problème est réglé en 6 propositions. La première, c'est que les juges ne respectent pas la loi. Si jamais on condamnait un juge pour n'avoir pas respecté la loi, il y a 100 000 enfants qui rentrent chez eux ce soir. C'est terminé. Voilà, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, les juges. Ils n'en ont rien à foutre. D'accord ? Le deuxième truc, c'est que la moitié des parents, pour ne pas payer les pensions alimentaires, vote pour le placement. Ben là, la pension alimentaire, on a qu'à la doubler pour les parents qui votent pour le placement et la mettre de côté pour les enfants quand ils vont sortir à leur distance.
toutes les notes de service de la zone sont des mensonges. Sont là qui sont les écrire sur un serpent, déclarer sur l'honneur de tout ce qu'ils mettent, c'est du. Vrai. Si jamais ils font ça, il n'y a plus de note de service pour dire que les parents sont des riches ou que les parents sont une nasse. Ça, c'est là. C'est pareil pour les avocats. Le métier d'un avocat, c'est défendre la famille, défendre les enfants, défendre leurs clients. Ils ne le font pas, ils sont de mèche avec les juges, ils sont de mèche avec l'ASE. Ils ne le font pas. Donc maintenant, obligeons-les à le faire. C'est-à-dire que si les juges ne respectent pas la loi, les avocats ne disent rien, c'est pas normal. Il y a autre chose. Là, vous avez parlé des enfants qui sont violés, qui sont massacrés dans les structures. Eh ben, il y a qu'à mettre un fonds de solidarité pour toutes les victimes de ce genre de manipulation. C'est-à-dire les petits gamins qui sont violés à 6 ans ou à 7 ans, garçons et filles, il n'y a pas de différence. C'est égalité homme-femme. Les petits garçons, on en a rencontré. Garçons et filles se font violer dans les structures. Donc, quand ils sortent à leurs 18 ans, il n'y a qu'à prendre un effet de solidarité pour leur mettre une prime, et au moins comme ça, toute leur vie pour y arriver à vivre et à survivre. Et puis surtout, le dernier, c'est l'État qui achète les enfants. Les départements les vendent, l'État l'achète. Arrêtons pour que l'État arrête d'acheter des enfants. Et faisons exactement le contraire, c'est-à-dire un département qui a le moins de placements parce qu'il s'occupe vraiment des enfants, eh bien celui-là, on lui donne plus qu'un département qui, pour y arriver à survivre, va placer ses enfants. Quand on a un département qui est pauvre, et nous, on est dans un département pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas d'industrie, il n'y a que dalle. Qu'est-ce qu'on fait? On vend ses gamins pour payer les factures, pour payer les fonctionnaires. C'est pas normal que, par exemple, dans un département comme le nôtre, on ait plus de fonctionnaires que dans les autres. Voilà, parce que les enfants sont placés pour payer les factures. On paye les factures avec les gosses. Tant que l'État achètera les enfants, on sera dans la merde. Il faut que l'État arrête d'acheter des enfants. Et s'il fait ça, on a réglé le problème. Avec ces 6 propositions-là, vous réglez le problème. Les enfants rentrent chez eux. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont pas aimés. Et là, on est dans un truc où c'est parce que les enfants sont, les familles sont pauvres et qu'ils sont gilets jaunes, par exemple. Et bien à ce moment-là, on leur pique leurs gamins parce qu'ils n'arrivent pas à les élever. Est-ce que c'est normal que, par exemple, une famille va au Resto du Cœur et qu'il y a des gens de la zone pour y arriver à contrôler ces gens-là, pour leur dire ils sont pauvres, donc on va leur piquer leurs gamins, ils ne sont pas capables de les élever. C'est pas élever, c'est aimer. On est dans l'amour, on n'est pas dans l'élevage. Et le dernier point qui, moi, me rend fou, c'est que là, il y a le salon de l'agriculture. Nous, on habite dans un pays où on élève des cochons. Eh bien, dernièrement, on a trouvé une famille qui a arrêté d'élever des cochons pour se consacrer à quoi? À faire famille d'accueil. Le père et la mère ont passé une espèce de diplôme pour passer famille d'accueil. Ils en ont 7. Ça rapporte mieux que le cochon. Dans notre famille, c'est plus lucratif. Ben, c'est pas normal. Si on fait ça, c'est pas normal. Donc, prenons les mesures qu'il faut. L'État arrête de payer pour acheter les gamins. On arrête le trafic. Et là, ça va se régler. Ça va se régler très rapidement. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu en colère. Bravo. La première chose, c'est qu'on a obtenu. Laurent, je te donnerai la parole après, je pense que c'est sûr. Merci, Muriel. On a besoin de cheminer. Il faut se contenter de très peu. Vous avez vu que l'on sur notre pression à nous. C'est pas sur quelqu'un d'autre, mais je n'en attends pas grand-chose. A nommé une secrétaire d'État à la condition des enfants. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème d'ampleur nationale et international sur cette affaire? Nous avons la chance d'avoir une personne extrêmement qualifiée qui s'appelle Gossia et qui pose remarquablement les questions d'actualité. Nous sommes pratiquement les seuls à obtenir des réponses. Nous avons obtenu des réponses vraiment très profondes. Alors je sais bien que ça ne règle pas le malheur entre jour et nuit,
Mais n'oubliez pas non plus que nous sommes dans un mouvement qui n'est pas à chaque fois qui fait progresser. Nous avons encore là un certain nombre de points. Comme nous sommes venus de très loin pour aborder notre sujet, je vous demande de ce soir, il y a le repas, hein, le repas, je vais y être. Moi, je vais venir débattre. Mais là, faites pas trop de bruit si vous sortez ou rentrez, parce que voilà, c'est un moment important. Il ne faut pas perdre le fil. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire. Pour l'instant, c'est pas parfait. Je demande à certains ceux qui se battent continuer à le faire. Je demande aux médecins, pas uniquement sur ce sujet-là, parce qu'on l'a traité, mais sur ce que vous faites d'intervenir, mais pas tout de suite. Tout à l'heure, dans les questions à poser, on va refaire le tour. Je voudrais donner la parole à un homme qui est venu de très loin. Bon, vous avez compris quelque chose à la réponse de Jean Lassalle ? Non, bah, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Il a servi la soupe habituelle, je me bats avec tous ceux qui se battent, et on va faire ci, on va faire ça, il y aura un secret d'État, et les gilets jaunes c'est très bien, et toutes les résistances, toutes les batailles sont bonnes. Mais c'est pas ce qu'on attend de toi, Jean Lassalle. Tu fais de la politique depuis que t'as 21 ans. Je vais dire, ces sujets-là, tu peux les dénoncer, tu peux... député, maire, candidat à la présidentielle, t'es au courant, il n'y a pas besoin que cet homme t'informe, ou n'importe qui t'informe, t'es au courant. On va regarder qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie politique. Alors, Jean Lassalle, maire de Lourdio-Ichère, de 1977 à 2017, 40 ans, 40 ans maire. Et pas que, hein. Député depuis 2002. Faites le calcul. 17 ans député, d'accord ? Alors là, effectivement, ça lui a fait à chaque fois ses coups de gueule à l'Assemblée nationale. Soit il met un gilet jaune, soit vous rappelez quand il a fait une grève de la faim, qui au final n'aura pas servi. Hein. Candidat à l'élection présidentielle de 2017, il finit en 7e position sur 11. Donc, passant à 21 ans, il est élu maire de son village natal. Donc, proche de François Bayrou, qu'ensuite il critique parce que Lassalle a voté pour Sarkozy et Bayrou, donc, a appelé indirectement à voter pour Hollande, pour Groland. Et donc, élu à l'Assemblée nationale, Jean Lassalle se rattache financièrement à Région et Peuple Solidaire. Ça, vous l'avez tous vu, on ne sait pas s'il y aura une suite. Dans la foulée de Harvey Weinstein, Jean Lassalle fait l'objet de plusieurs accusations d'agression sexuelle sans qu'il n'y ait de plainte déposée à son encontre. Il y a beaucoup de magouilles hein, sur les accusations, donc je ne retiens pas ça. On lui laisse la présomption d'innocence. En revanche, donc là, il compte y aller. En janvier 2018, Jean Lassalle exprime son intention de conduire sa propre liste aux élections européennes de 2019 avec une ligne clairement eurosceptique, déclarant « Si j'avais été anglais, j'aurais voté pour le Brexit ». Ah ben voilà, beaucoup de monde va suivre. Jean Lassalle annonce dès septembre 2018 son intention d'être encore candidat donc à l'élection présidentielle cette fois-ci de 2022. Le coup de fracas qu'il avait fait, c'était en novembre 2018. Il provoque une suspension de séance en portant un gilet jaune de haute visibilité en pleine séance de l'Assemblée nationale.
Donc, il a créé, à la suite de l'élection présidentielle, son mouvement de campagne résistant, qui prend l'allure d'un parti politique puisqu'il est désormais possible d'y adhérer et qu'il présente des candidats aux législatives de juin 2017. Il a été aussi donc le président de l'Association des maires ruraux de France. Donc vous l'avez compris, hein, tous ces mandats. Il n'est pas un gilet jaune, faut arrêter de déconner. Hein. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il faut revenir un minimum au sérieux. Cet homme-là ne peut pas être gilet jaune. Ça fait, je vais pas détailler encore, 40 ans maire, 17 ans député, je vous passe les élections présidentielles et autres élections. Il ne peut pas être gilet jaune. Il a été élu. Il a eu sa chance de s'exprimer, de dénoncer, de il a été dans les médias. Il n'a pas de souci pour s'exprimer. Il arrive à mettre un gilet jaune, déclencher un buzz pour en faire quoi? Pour aller dire aux gens, ok, on va en parler, continuez, c'est bien ce que vous faites, quoi. Voilà. C'est bien. Ça me permet de faire un live court. C'est une démonstration courte. Après, effectivement, ça convainc quelques-uns parmi vous. Ça ne convainc pas beaucoup d'autres. Je vous rappelle ma stratégie, éviter les dispersions de voix. Il faut contrer le succès de Marine Le Pen en France, de Angela Merkel en Allemagne. Et de ce candidat, comment son nom m'échappe à chaque fois, d'extrême droite aux Pays-Bas, aux européennes. Il faut soutenir le peuple anglais qui arrive, qui demande au travers de Theresa May. Alors, c'est plutôt Theresa May qui demande, mais il faut la soutenir dans sa demande à chaque fois d'avoir un délai supplémentaire pour le Brexit. Il paraît que, il y aura des élections européennes en Angleterre, mais tout dépendra effectivement s'il y a Brexit avant ou pas. Mais bon, je vous détaillerai ça dans des lives futurs. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la Libye, qui est le théâtre actuellement d'un affrontement de plus en plus féroce et meurtrier. Donc je vous rappelle que la seule carte à jouer pour les européennes, stratégiquement, ce n'est pas le vote blanc, ce n'est pas l'abstention, ce n'est pas Asselineau, ni le Franck Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Lassalle, ni qui que ce soit, stratégie, stratégie, il faut voter massivement pour le foutu parti de Macron-Camp, pour la République en panne, pour éviter de donner, pour donner le minimum de sièges à Marine Le Pen. Il n'y a pas d'autre stratégie. Hein. Suivez-moi, faites-moi confiance, de toute façon, la lutte ne s'arrêtera pas aux européennes, les gilets jaunes, il faut les faire vivre pour que ça continue encore et encore. Derrière, il y a une élection plus accessible à nous, qui est les municipales, et ensuite, il y aura aussi d'autres élections accessibles. Et encore une fois, nous apprendrons des municipales pour continuer l'aventure. Il faut maintenir les gilets jaunes. Les samedis, n'allez pas à la confrontation, vivez normalement, allez dans les centres commerciaux, mais mettez un gilet jaune. À 13h, c'est mon initiative tous les jours, mettez le gilet jaune pendant une minute. D'accord?
Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Allez, on va faire une vidéo courte, donc je vais m'arrêter là. Donc bonsoir à toutes et à tous, même si je vous nomme pas, donc les quelques-uns qui ont fait un commentaire. Diloulou, Lou, bonjour et bonne nuit. Assia Marie, bonjour et bonne nuit. Taxi Driver, bonjour et bonne nuit. Did Muslim sur YouTube, bonsoir, bonjour et bonne nuit. Lydia Perrault sur VK, bonsoir et bonne nuit. Tu dis, j'ai rien compris, il faut voter quoi? Pardon, il faut voter qui? Là, en dessous de cette vidéo, tu auras un lien nommé Ma stratégie. Donc, il faut comprendre la stratégie et il faut voter massivement pour le parti, parce que c'est pas Macron en personne qui se présente, mais pour le parti, un Macron camp, La République en marche, La République en panne. C'est la meilleure des stratégies pour contrer les plans de ceux qui nous tiennent sur le globe. Tout est dessiné dans The Economist. Je vous ai assez fait de démonstrations. Bonsoir et bonne nuit, Joachim Geronimo. Ok, Lydia, tu dis que tu as bien reçu le message. Merci. Allez, les amis, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve donc comme d'habitude demain pour un autre live. Et j'espère demain que j'aurai le temps et l'énergie de débriefer, de traiter le dossier libyen. Bonne nuit les amis.